Le centre commercial Belle Épine a ouvert ses portes au public le 30 septembre 1971. Et pour nous, c'était la révolution. C'était un des premiers centres qui a été ouvert en Île-de-France. Il y avait beaucoup de vêtements, bijouterie, fleuriste, teinturerie. Alors, il y avait aussi, au niveau où il y a Paul en bas, alors il y avait boucherie, charcuterie, les primeurs qu'il n'y a plus maintenant. Les cinémas, pour nous, il y avait 6 ou 7 salles. C'était énorme, parce que c'était que dans Paris qu'on trouvait ça, mais pas en banlieue. Et puis, il y avait un grand restaurant qui s'appelait Pizza Pino, qui était énorme, on mangeait des pizzas à tout va, quoi. Donc tout ça, c'était révolutionnaire pour nous. On peut faire ses courses, on peut faire ses loisirs, il y avait les cinémas, il y avait des salles de jeux, etc., etc. Et pour les gens, c'était une nouveauté, donc ils pouvaient venir passer leur journée ou dans le centre commercial. Le centre commercial a vraiment dynamisé la zone. Alors, il y a eu des événements sportifs, il y a eu notamment un circuit qui a été monté tout autour de Belle Épine. Alors, si vous voulez, on a fait des expositions, on a fait l'exposition de l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, la SNCF, on a fait le départ du Paris-Dakar, on a fait pas mal de choses concernant les événements à partir de Belle Épine. Pourquoi j'ai voulu venir à Belle Épine, c'est quand en 90, ils ont fait l'agrandissement de Belle Épine. Ça a été vraiment grandiose parce qu'un centre où il y avait déjà, je crois, 120 boutiques. Le centre a évolué quand même pas mal parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on a quand même pas loin de 220 magasins. On a fait des verrières parce que le centre, à l'époque, il était fermé. D'ailleurs, quand vous le voyez, vous ne lui donnez pas 50 ans. Qu'est-ce qui me plaît dans le centre tout? C'est les magasins de prêt-à-porter, c'est les restaurants, et ben voilà, les marchands de chaussures, voilà tout ça. Ah oui, moi c'est ma vie ici. Hein. C'est sûr, tous les samedis je suis là déjà. Alors, et je vous assure que si un samedi je ne viens pas, ça me manque. Voilà. C'est le centre où j'ai passé ma vie. Ma vie jusqu'à maintenant, parce que là aujourd'hui bientôt je serai à la retraite, mais c'est mon très bon souvenir, c'est-à-dire de travailler pour ce centre. Belle Épine et moi, c'est une grande histoire d'amour et une grande réussite dans ma carrière professionnelle. Ici, c'est ma maison. Voilà.